Le signe d'ascendant représente la première impression que vous donnez aux gens. C'est le signe qui se levait à l'est dans votre thème astral. On arrive à connaître son ascendant grâce à l'heure exacte de votre naissance. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astrono Thyself, connais-toi toi-même. Aujourd'hui, on va parler de l'ascendant Sagittaire. L'ascendant Sagittaire est un ascendant qui est en général très optimiste. C'est l'un des signes le plus optimiste des 12 signes du zodiaque parce qu'ils sont gouvernés par la planète Jupiter. C'est un signe qui voit les choses en grand. Il a le sens de l'aventure. C'est aussi un signe que vous pouvez retrouver parler de la philosophie, des sujets religieux. C'est des personnes qui adorent explorer des nouvelles connaissances, des nouveaux horizons. Ils se posent les grandes questions de la vie. Ils peuvent se retrouver dans des spiritualités différentes de leur spiritualité d'origine ou leur religion, on va dire. C'est aussi des personnes qui aiment beaucoup apprendre les choses des autres cultures. Ils sont très easy au niveau d'expérimenter des différents plats. Ils peuvent souvent se retrouver mariés à des personnes qui ne sont pas de leur culture. C'est une personne qui adore voyager. S'il n'a pas les opportunités de voyager, c'est une personne qui voyage dans son mind, en fait. Ils se posent des grandes questions de la vie. Ils ont tendance à dire ce qu'ils pensent et à être directs dans leur communication. Donc, ça fait que des fois, ils peuvent blesser les gens. Je parle de leur essence. Et comme ils sont gouvernés par Jupiter, c'est des personnes qui sont généreuses, qui peuvent t'aider quand tu as un problème et tout ça. Aussi, par contre, qui peuvent promettre. Ils voient tellement les choses en grand comme Jupiter qu'ils ne vont pas réaliser tout ce qu'ils vous ont promis, en fait. Voilà, faut pas vous fâcher avec moi. On a tous un côté Sagittaire anyway. C'est un signe qui valorise beaucoup son indépendance, qui a besoin de son espace, qui résiste beaucoup au contrôle. C'est pas un signe qu'on peut contrôler du tout. Il a besoin de sa liberté. Physiquement, chez les femmes, c'est des personnes qui peuvent avoir des hanches, genre bien formé ou remarquable. Si vous vous reconnaissez en tant qu'ascendant Sagittaire par les traits de caractère que je viens de décrire, n'hésitez pas à venir commenter. Je vous suggère d'aller regarder la vidéo du Sagittaire et ses traits de caractère. Vous allez pouvoir détecter pas mal d'énergie que vous avez dans votre ascendant. Voilà. Donc notre vidéo tire à sa fin. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera l'ascendant Capricorne. God bless you all and love you all. Peace.